Du coup, je vais me présenter rapidement avant de parler plus après du travail du bois sur l'Antiquité et des Romains. Donc moi, je suis Gustave Raymond, je suis charpentier. Je vais travailler à peu près 70-80% de mon temps avec des outils à main, sur des chantiers divers et variés, aussi bien des chantiers avec une certaine recherche historique, donc bah, c'est le cas du projet qu'on a ici, ou des chantiers juste pour des clients divers qui cherchent un rendu, un certain rendu, une certaine finition sur leur pièce de bois ou mode de travail. En général, plus local, un peu plus minimaliste ou des choses comme ça. Il y a différentes envies selon les clients et les chantiers, quoi. Donc moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis charpentier. Ça fait à peu près 6 ans que je me suis intéressé sur le travail à la main. Ça fait maintenant 2 ans que je suis à mon compte à travailler avec ces méthodes-là en majorité. Et donc Olivier m'a contacté il y a à peu près un an pour ce projet de balise, donc moi qui m'intéresse bien. Évidemment, c'est un projet comme j'aime, bien rigolo, avec pas mal de petits défis, plein de questions. Mais moi, à la base, donc, comme certains m'en ont parlé, et Olivier en a peut-être parlé, moi j'ai pu travailler au chantier médiéval du Guédelon, par exemple. J'ai fait énormément de reconstitutions, plutôt sur les périodes médiévales. Et donc je me retrouve projeté de moi, ma vision de charpentier à la main, à la base, qui est plutôt médiévale, donc plutôt ergothique du 13 au 16e siècle, qui était ma spécialité, ce que j'appréciais, ce que je connaissais en outillage, en technique, à me renseigner de plus en plus sur la période romaine. Et là, bah, je me prends une grosse claque, parce qu'en fait, je me rends compte, plus je fais de mes recherches, que le travail du bois chez les Romains, donc on va dire premier siècle, les premiers siècles avant, premier siècle après Jésus-Christ, quasiment correspondent au travail du bois 18-19e siècle. Qu'on soit d'un point de vue outil, poids des outils, qualité de finition sur leur rendu, technique utilisée, assemblage utilisé. On a vraiment une industrie du bois qui est très très poussée et une industrie métallurgique derrière qui va du coup accompagner sur les outils. Et qui va accompagner aussi bien les outils, la quincaillerie, des choses comme ça, qui va vraiment disparaître à une certaine époque, donc à la chute de l'Empire romain, et qu'on va pas voir apparaître avant, comme je dis, le 16, 17, 18e, et puis ça revient jusqu'à l'ère industrielle où là on a de nouveau de la quincaillerie métal. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur tout ça. Donc on va commencer déjà par, je pense, un petit tour de la caisse à outils pour travailler le bois. Donc là, j'ai amené quelques outils que j'ai. J'ai encore d'autres outils que je dois finir d'aller faire des relevés auprès de certains musées ou dépôts de fouilles afin d'avoir des relevés d'outils, afin d'en faire reproduire d'autres un peu plus précis pour ce projet-là précisément. Puis aussi au fil de moi de mes recherches, de lecture de rapports, de livres ou autres, je découvre de nouveaux outils que je vais donc expérimenter sur ce projet. Mais on va dire que pour faire n'importe quel objet en bois qu'on va avoir, donc, que ce soit à l'Antiquité, Moyen-Âge ou ère moderne, on part donc du bois, donc on a tout le travail qui va être d'abord plutôt forestier, on a après notre travail de débit, donc qui va passer de notre arbre, notre grume en forêt, à une poutre ou planche qu'on va pouvoir travailler, et après ça, on va passer donc sur le tracé, donc comment est-ce qu'on va tracer nos assemblages, savoir comment est-ce qu'on va assembler nos pièces de bois, les techniques, si on fait des assemblages bois-bois, assemblages bois-métal, si on doit avoir des mouvements, des choses comme ça qui vont rentrer en compte, donc tout ça qui va être pris en compte, donc le tracé de nos assemblages. Et après, on a toute la partie qui va être la taille de nos assemblages, puis l'assemblage de l'objet fini, donc que ce soit une baliste, un bâtiment, un temple, un pont, un échafaudage ou autre, donc cet assemblage. Et donc, une fois que cette chose est assemblée, on a ce que nous, en charpente, on va appeler en général le levage, donc qui consiste à prendre cette chose, en général, c'est pour un bâtiment, donc on a tout assemblé, on sait que c'est bon, puis venir le mettre là où il faut, par exemple, si c'est une charpente de toit, sur le haut d'un temple ou le haut d'une cathédrale, si on revient sur le Moyen-Âge, ou des choses comme ça. Donc, il y a un outil qui va être assez commun, que ça soit, donc ça, pour qu'il n'aura, du coup, ne va pas évoluer même de la préhistoire jusqu'au fin 19e siècle, qui va être l'outil principal de débit forestier, donc qui va être notre première fois, qui va être la hache. Donc je n'ai pas avec moi de hache, je prends un marqueur, je n'ai pas avec moi de haches qui sont celles utilisées plutôt en forêt, donc là j'ai qu'un autre modèle de hache que je vous montrerai après et que je vous ferai passer. Donc ce qu'on peut remarquer sur les haches romaines, donc plutôt du 1er siècle, c'est qu'elles vont avoir une vue dessus assez triangulaire, un œil ovale avec assez de matière derrière, et on va avoir un profil en général, si on a notre taillant, assez simple, voilà, plus ou moins comme ça, donc avec après notre œil, ici, hop. Donc ça va être vraiment un modèle de hache qu'on va retrouver beaucoup donc sur la période romaine,
et qui va se décliner vraiment en beaucoup de poids. On la trouve d'aussi bien de 500 grammes à 1,5 kg, 1,6 kg. Donc ça, c'est un modèle, du coup, par exemple, je sais qu'il y en a 3 en Alsace, dans un musée pas loin de Colmar, que je dois aller voir dans 2 semaines. Et une fois que je les aurai vus, dans la foulée, on va voir pour les en faire reproduire une ou deux, afin de pouvoir les essayer un peu quand même. Donc c'est à ça, justement, vu que tant que je parle de poids, et c'est là, donc, je vais faire plusieurs reprises des parallèles entre, on va dire, moi, mes habitudes, on va dire, de charpentier médiévaux, et du coup, par rapport à ce que je découvre sur la charpente, plus et le travail du bois, plus de l'Antiquité romain. Ça, ce hache-là, c'est une forme donc, qu'on connaît à la période romaine, qu'on va retrouver tout au long du Moyen-Âge aussi, et puis un peu jusqu'à une période un peu plus moderne, dans l'idée. Mais l'une des grandes différences qu'on a, c'est par rapport à ce poids. Donc, comme je vous dis, on les retrouve à la période romaine sous n'importe quel poids, alors qu'au Moyen-Âge, une hache va quasiment jamais dépasser 1,5 kg. C'est très très rare. Si on est apparemment même du 6e au 10e siècle, on dépasse rarement le kilo. On va dire du 10e au 14e, on a du 1,2 kg, 1,3 kg qui apparaissent de plus en plus, 1,4 kg, et après on va commencer à monter. Alors que les Romains, ils ont déjà, à ce premier siècle, des outils qui vont être déjà bien plus lourds et massifs, donc avec un rendement évidemment efficace, beaucoup plus efficace. Et donc c'est, je pense que vous avez pu voir aussi justement sur la scie, ce côté que les Romains, ils ont une vraie notion de rendement dans leur travail et d'optimisation de travail. Donc, ce qui peut se revoir sur ces outils. Donc ça va être vraiment l'outil de base donc forestier pour notre partie d'abattage. Une fois qu'on a notre arbre qui va être tombé, là, on a plusieurs options pour pouvoir produire une poutre ou des planches dedans. Une fois qu'on a notre poutre, il y a plusieurs solutions. Donc là, je vais commencer par celle-ci parce que j'ai une photo. Donc c'est ce qu'on appelle du sciage de long. Alors là, ici, là, c'est un sapin. Il fait donc de ici à ici, on a 7,70 m de long. On a 15 cm de retombée de là à là. Et à deux personnes, on va venir la scier en longueur pour faire nos planches. Donc là, en général, dans l'explication, hein, on a un tréteau qui est fixé au sol ici. On a une poutre qui va être posée en équilibre dessus. Voilà. On a hop, une personne en bas, une personne en haut avec une scie qui revient entre les deux. Et tout simplement, en est dessus, on recule avec notre scie et la scie va venir couper ses planches et on va faire ses planches en longueur et débiter nos planches. Donc, ça, c'est une technique qu'on va retrouver jusque quasiment en 1950 en France, hein, et ces techniques-là, avec différents modèles de scie. Donc, ça, il y a une évolution dans les scies qu'on peut apercevoir. Mais ça, c'est déjà une technique qui va être très démocratisée chez les Romains sur la production de planches. On retrouve beaucoup de planches qui sont sciées avec des traces de sciage. On a même des textes, donc je ne pourrais plus citer le nom de la personne qui a écrit ces textes à l'Antiquité, qui parle de l'affûtage de ces scies, et justement qui parle de sèmes très complexes, qui justement disparaissent totalement au Moyen-Âge. Il faut se dire qu'au Moyen-Âge, cette technique-là devient très très rare pour la production de bois d'œuvre, contrairement à la période romaine, où elle est beaucoup plus développée. Et donc ça, c'est des points qui vont justement être très intéressants, de savoir qu'on a cette solution technique pour la production de la baliste, où il y a quelques pièces qui sont vraiment des gros plateaux, avec du coup, on a des options d'avoir du bois un peu plus sec. Donc ça, c'est des choses on va essayer d'en revenir plus tard. Il ne faudra pas hésiter à me le rappeler si j'oublie de reparler justement du taux d'humidité du bois, parce que je parle comme ça et je n'ai pas mes notes, donc je vais peut-être oublier d'en reparler, mais il faudra me le rappeler si j'oublie. Donc voilà, donc ça, c'est une technique qui va être utilisée. Donc c'est l'une des solutions pour faire des planches ou des poutres. Et l'autre solution, c'est de l'équarrissage. Donc là, c'est tout simplement à la hache. Donc on va venir. Hop, on a notre grume, qui elle va être qui est un cylindre. Hop, voilà. Et on va venir par bout de la pièce dessiner le carré que l'on veut créer. Et après, à la hache, sur tout le long de la pièce, en fait, on va venir, dans l'idée, éplucher, en quelque sorte, hein, à la hache, la pièce de bois, afin d'en sortir après, une poutre carrée. Donc là, il y a plein de solutions possibles. Et donc, c'est là que, justement, une hache comme celle-ci, donc qui va aussi bien servir à l'abattage, sera aussi totalement utilisable pour la production de poutres. Donc, on a vraiment justement cette histoire aussi d'optimisation d'outils. Un outil qui va être très polyvalent, qui va nous permettre aussi d'abattre l'arbre, débrancher, créer du bois en forêt, et puis après derrière, de faire du bois d'œuvre utilisable. Et donc, soit on peut le garder en bois d'œuvre, en poutre, donc qui pourrait typiquement être utilisé, on peut imaginer, hein, toutes ces pièces qui sont là, qui sont plutôt des sections carrées ou rectangulaires, enfin, pas de la planche à proprement parler, toutes ces pièces-là peuvent très facilement être façonnées de cette manière-là à la hache. Donc ça va être les options pour débiter notre bois en forêt.
Donc, l'une des haches qui peut être utilisée, donc aussi bien pour l'abattage que pour ça, donc c'est celle que j'ai ici, par exemple, ici. Donc ça, c'est une Dolabra. Donc, alors celle-ci, donc on, c'est un outil qu'on retrouve beaucoup en fouille. Donc je vais le faire passer après. Juste, je préviens, il est tranchant, donc il faut faire attention. Et moi, c'est l'outil avec lequel bah, je gagne ma vie en travaillant, enfin l'un de ceux-là. Donc évitez de cogner le tranchant à droite à gauche, parce qu'après, moi, il faut que je le refute, et bah, c'est un peu chiant à faire. Donc cet outil, il est pareil, décliné en beaucoup de poids différents. Donc celui-là fait à peu près 1,2 kg. C'est plutôt la moyenne très légère de ce qu'on va retrouver en fouille. Ils vont monter jusqu'à quasiment 2,5 kg. Et c'est un des outils qui accompagne les légionnaires romains qu'on retrouve dans les kits militaires des légionnaires romains. Donc ils sont vraiment déclinés en plein de tailles, formes différentes. Donc là, on en a un où on a un côté une hache et de l'autre côté un outil qu'on va appeler une herminette. Donc c'est en quelque sorte une hache avec un perpendiculaire, avec un tranchant perpendiculaire à notre manche qu'on va aussi pouvoir utiliser bah, pour fabriquer ou façonner différents assemblages ou différents types des piquets, des pieux pour de la fortification ou autre qu'ils auraient pu utiliser ou du terrassement. Donc on voit qu'il y a d'autres modèles qu'ils ont qui vont plus ressembler à des haches de pompiers où on a un pic derrière. Et donc pour revenir sur pour reparler un peu de logique, donc cet outil-là, donc là, cette Dolabra, c'est un outil qui, en France, moi je ne le connaissais pas. On retrouve quelques outils de terrassement courant 20e dans le même style, très épais, donc pareil, hache un peu pioche de l'autre côté, qu'on peut retrouver, ça on en a, donc plus, mais plus, c'est plus du travail de terrassement que de charpente ou de forestier. Mais en Italie, c'est un outil qui reste à être produit et qu'on retrouve encore beaucoup, même de nos jours, par certaines grosses productions de taillanderie industrielle, de production d'outils, qui produisent encore des outils équivalents à ça. Donc c'est ce qui est assez intéressant, et c'est un outil qui reste du coup très intéressant, qui par exemple va être utilisé, donc comme je dis, c'est un outil légionnaire romain, donc on voit bien image de sape, de maintenance, de fortification, de terrassement, divers. Et cet outil, il y a un équivalent qui a été développé par les services forestiers américains fin du 19e, début 20e siècle, qui est exactement la même chose, hein, une hache avec donc, une herminette ou plus ou moins de l'autre côté, donc selon comment on l'affûte, et qui vont utiliser eux pour faire qu'ils ont créé pour quand leur service forestier était parachuté en forêt, sur les grandes forêts aux États-Unis, de manière à pouvoir faire les tranchées anti-incendie pour éviter qu'il y ait un incendie qui se déclenche dans une zone de la forêt, elle se propage, et donc ça leur permet d'abattre l'arbre et avec l'autre côté, du coup, de venir terrasser le sol et retourner une laie de terre pour éviter une propagation d'incendie. Donc on voit bien que cet outil, qui a un usage encore moderne, les Romains l'avaient très bien compris et on avait développé un outil équivalent qui, on peut très bien imaginer que leur légion romaine utilisait pour dans une même démarche d'utilisation en quelque sorte. Donc ça, voilà, c'est un outil qui va être très polyvalent et qu'on va pouvoir revoir tout au long d'un processus de fabrication d'un ancien chiège ou autre. Voilà. Donc c'est le genre d'outil où typiquement un artisan qui a l'habitude de s'en servir pourrait quasiment effectuer l'entièreté de la baliste avec trois outils. Donc les trois outils, vous allez voir petit à petit, mais avec celui-là dedans, il n'y a pas de souci, il serait capable de sortir la plupart des pièces pour cet engin-là. Après, justement, c'est ce que je vois au début. C'est la démarche qu'on aurait eue typiquement pour un charpentier médiéval, qui sont beaucoup plus limités, les charpentiers médiévaux, dans leurs outils. On a beaucoup moins de panache, l'acier coûte beaucoup plus cher, on voit qu'il est beaucoup moins développé sur leur typologie d'outils que les Romains. Et donc on aurait eu cette démarche-là si c'était un projet beaucoup plus médiéval. Vu qu'on se retrouve sur un projet antique, et là je me rends compte de ce panache d'outils romains et de la quantité qu'on a quand on retrouve des caisses à outils d'artisans romains, elles sont fortement garnies, on a plein d'outils très complexes. Et donc on va sûrement aller chercher d'autres outils supplémentaires, en plus de des trois outils de base qui sont du coup une hache, un ciseau à bois et une tarière. Donc ça on va venir dessus après. Et donc on va voir que ce panache d'outils, on va pouvoir le spécifier avec des outils encore plus précis et encore plus détaillés, afin d'arriver sur un engin de siège encore plus efficace et encore mieux fini que si on s'était limité à trois outils assez basiques. Donc, maintenant qu'on a du coup présenté rapidement donc, la hache, deux modèles très répandus sur la période romaine, qu'on a vu rapidement donc deux options pour créer du bois d'œuvre. Maintenant, on va partir sur toute la partie qui est le tracé de notre pièce de bois. Donc là, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils faisaient pour tracer leurs assemblages. On n'a pas de détails, parce que du coup, il y a plein de solutions qui existent au fil des siècles pour tracer des assemblages. Là, on ne sait pas exactement comment ils le faisaient, donc ça ne sera que la supposition. Que je pense que ça, je vais en parler avec Olivier au fil du temps, au fil de démarches, voir comment est-ce qu'on le fait. Parce qu'on pourrait très bien partir d'une variante, ce qu'on appelle du piquage. Donc c'est une technique qui est plutôt, on va dire, assez française dans le domaine de la charpente.
mais qui, moi, me semble trop spécifique et pas assez polyvalente pour quand on voit l'ingéniosité des Romains dans la standardisation de leur mécanique et de leur système. Je pense qu'il y a quelque chose, on va essayer de trouver une autre solution un peu plus standard. Je sais que les Grecs traçaient à l'épure directement, oui. Mais pour des bâtiments qui étaient... C'est ça. Donc on a une pièce de bois quelconque, ce qui, donc, qui passe dans un autre rectangle. Alors, on va plutôt le dessiner en trois dimensions, on va essayer ça. Attention, je vous prie de ne pas juger mes qualités de dessinateur. Donc, voilà, hop, 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 voilà. Donc, et qui file derrière. Voilà. Donc, et là, au bout de cette pièce-là, on a un petit, comme un petit couteau, en quelque sorte. Et là, on a un système avec une petite clavette qui passe dedans, hop, ici, qu'on peut serrer. Ce qui fait que cette cale rectangulaire, elle coulisse le long de ce petit assaut. Donc, c'est un objet qui est grand comme ça, à peu près. Hein. Il coulisse. Et ce qui fait qu'on va le serrer avec la clé pour le bloquer. Et donc, cette cale va être parallèle à ce petit couteau. Et ce qui va nous permettre, en quelque sorte, si, imaginons, on a notre assaut, la cale, de venir trusquiner, donc c'est faire un trait parallèle à une pièce de bois avec notre couteau qui va venir rayer la fibre du bois, là où on veut tracer, donc on veut tracer une parallèle. Voilà. Ou c'est quelque chose qui est aussi en taille de pierre, je ne sais pas si c'est... Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va réfléchir sur le tracé. Donc l'épure, donc ce qu'une épure, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Une épure, c'est un dessin à l'échelle 1 sur 1 de l'objet qu'on cherche à réaliser. Donc dans l'idée, si on a ici notre baliste, on va le décomposer en plans. Et donc on voit par exemple qu'on a un châssis, par exemple ici, ce triangle ici, qui forme un plan de la baliste. Donc ça nous fait, de quelque sorte, si on vient le découper, on a trois pièces de bois, simplifiées, hein, qui sont un peu articulées comme ça, voilà, hop, qui elles sont dans un seul plan, elles sont les unes sur les autres dans le même plan. Et donc on va dessiner, donc là il y a plein de solutions possibles, donc on ne va pas aller dans le détail, sinon on n'a pas fini, mais on va dessiner ce que l'on veut réaliser, ce plan qu'on veut réaliser au sol, donc à l'échelle 1 sur 1, et on va venir superposer nos pièces des bois les unes sur les autres dessus, afin de pouvoir repérer leurs points d'intersection exacts et de tracer précisément les angles des coupes et de nos assemblages. Donc voilà, donc bah justement le tracé, donc on a du coup l'option de l'épure. Et après pour tracer sur nos pièces de bois, ils n'ont pas de crayon. Donc on sait qu'il y a des choses qui existaient à l'Antiquité, donc j'ai pas encore eu le temps de faire des recherches par rapport aux périodes romaines, qui sont des pointes au plomb. Donc c'est en général une pièce de bois creuse et dans laquelle on vient couler du plomb. Et c'est le plomb qui vient rayer et marquer. Sinon, on a l'option, donc c'est une pointe à tracer. Donc c'est juste une simple pointe, hein, et on vient rayer notre pièce de bois qui nous permet de tracer. On va évidemment, des compas à pointe sèche qui vont nous permettre de tracer. Donc ça va nous permettre aussi bien de tracer nos angles, les uns par rapport aux autres, tracer des angles équerres, des angles qu'on peut calculer après grâce à notre compas. Et après, évidemment, on a aussi donc, tout ce qui est règles, donc une jauge qu'on va tracer. Donc là, on a une en bois toute simple, en pouce. Et donc justement, on a quand on voit justement le luxe des artisans romains, donc justement, comme je disais, au Moyen-Âge, hein, c'est une jauge en bois. Et même jusqu'au XXe siècle, ça reste une jauge en bois en charpente. C'est simple, c'est efficace. Si on la perd, c'est pas trop grave, on en refait une. On peut en faire différentes largeurs. Là, on a une d'un pouce. Et voilà, si on veut, voilà, il y a du 1,5 pouce, 2 pouces. Et on joue selon nos besoins. Et les Romains, ils ont des magnifiques petites réglées en bronze fondu, articulées, qui font parfaitement qui font parfaitement un demi-pied et qui vient se déplier sur une charnière intégrée pour faire parfaitement un pied romain. Voilà, donc ils ont ces outils précis, donc ça nous montre bien avec cette précision qu'ils ont pour faire des réglées articulées qui sont fortement précis. Clairement, tous ces tracés-là, ils sont tout à fait compétents avec une précision qui n'a rien à envier à notre précision moderne. Donc, une fois qu'on va avoir tracé nos assemblages, et donc par exemple, on va rester sur notre exemple ici de trois pièces de bois, et on va imaginer qu'ici, on va se retrouver avec une mortaise, hop, et dans la pièce qui vient en dessous, un tenon. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une mortaise et un tenon. Tout le monde, je refais une explication, le chef demande une explication. Du coup, hop, la mortaise, donc si ça c'est une pièce de bois vue de côté, en fait c'est la partie femelle de l'assemblage, donc on va recreuser. Voilà, hop, la pièce, donc c'est fait, on va essayer de la... Hop. Donc on a, hop. Voilà. Alors on a un recreusement,
dans notre pièce de manière à accepter le tenon. Donc le tenon, lui, le tenon qui est vu du dessus, hein, hop, on a une pièce sur laquelle on a un démaigrissement, voilà, et vu de côté tout simplement, un épaulement. Donc ça fait, c'est très très moche, mais on comprend, hop, et si j'essaie de le faire en trois dimensions, voilà, je pense que vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Donc, justement, donc une fois qu'on a tracé nos assemblages, donc justement, par exemple, sur notre épure, donc on va garder l'exemple qu'on est sur une épure, on vient tailler nos assemblages. Donc, par exemple, ici, sur cette photo, on a un tenon, donc ça, c'est un gros tenon sur une grosse pièce, qui a été taillé, donc avec cette dolabra. Donc, c'est avec cette hache, donc on va s'en servir, et on vient lancer la hache, tout simplement, hein, et on va venir suivre notre trait. Donc, on a ici un trait qui représente, donc on voit la rase, donc la rase, c'est la partie donc, de la pièce, donc, c'est ce qu'on appelle la joue du tenon. La rase, c'est la partie qui est ici. Donc, si on revient ici, on a cette partie-là, ça va être la joue du tenon. Ici, on a la rase de notre tenon. Voilà. Donc, on vient tout d'abord à la hache venir faire une entaille qui vient du coup définir la rase de notre tenon. Donc, ce qui fait que si on vient à la dessiner, on a une pièce des bois rectangulaire sur lequel on vient dessiner l'assemblage que l'on veut tracer. Donc on dessine, on a dessiné qu'on veut un tenon qui soit comme ça, hop. Voilà, hop, ici. Donc c'est-à-dire qu'on veut retirer cette pièce de bois qui est là, cette partie, et cette partie, afin de créer un tenon. Donc l'une des options pour le travail, donc là c'est le genre de taille, quand on va le tailler donc, uniquement par exemple à l'hache, donc typiquement avec la dolabra qui est là, donc qu'on peut imaginer, pareil, un outil que beaucoup de légionnaires transportaient sur eux, ils ont des fortifications, ils ont de l'entretien de machinerie à faire, c'est un outil qui sera utilisé pour faire ce genre de tâches. Donc on va venir faire une première entaille, qui vient ici, en biais, et suivre notre arase, comme ça, hop, voilà, afin de retirer déjà la matière qui est là. Voilà. Et une fois qu'on a ça qui est fait, donc c'est ce que disait Olivier tout à l'heure, le bois, il a des fibres. Et donc on va profiter du fait que ce bois ait des fibres et que du coup on peut le fendre tout simplement. Et les fibres du bois, elles filent dans ce sens-là, comme ça, dans la longueur. Et donc là, on a juste à venir par bout, avec la hache frappée, en fait venir fendre hop, la joue du tenon. Voilà. Et ce qui nous crée notre tenon, notre joue de tenon. Et après, on va venir tranquillement, s'il faut, on peut venir justement avec la hache, comme réécarrir, donc venir nettoyer à la hache. On va venir, imaginons si j'avais une surface à descendre ici, je vais venir avec ma hache tranquillement taper et retirer des copeaux qui vont être de l'ordre du millimètre pour nettoyer ma face et avoir l'ajout de mon tenon propre. Même opération de l'autre côté et ça nous crée notre tenon. Pour la partie, donc ça c'est le tenon, pour la partie mortaise, ici, donc on a plusieurs outils qui vont être possibles. L'option simple, hein, c'est le ciseau à bois. Un simple ciseau à bois, donc bah voilà, ça c'est un ciseau à bois qui est moderne qu'on peut, et qui il ne va pas évoluer donc de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Donc là c'est plutôt un ciseau à la base qui est basé sur des ciseaux plutôt médiévaux. Bah, on regarde les rapports de fouilles qu'on a de tout premier siècle avant et après Jésus-Christ. C'est les mêmes ciseaux, mêmes proportions, même taille, ils n'ont pas de différence notable. Donc voilà, donc on va venir avec ce ciseau et on va venir. Donc, maintenant, on a notre pièce de bois qui est vue de côté. Et donc, on cherche à retirer donc à l'intérieur, donc on est bien parallèle, on a la face qui déborde. On va chercher à retirer notre mortaise qui est là, par exemple. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est au ciseau. On va venir petit à petit poser le ciseau avec un maillet, taper dessus et venir petit à petit retirer de la matière et creuser notre mortaise. Donc ça va être l'une des solutions. L'une des solutions qu'on a pour se simplifier le travail, ça va être de pré-percer, venir retirer de la matière, donc en fait percer des trous au préalable, ici, de manière à retirer de la matière pour qu'il y ait moins de matière à retirer avec notre ciseau à bois. Et donc là, on a plusieurs types d'outils possibles pour percer des trous. Donc on a l'outil de base qui va être la tarière. Donc là, c'est ce qu'on appelle une tarière-cuillère. Alors ça forme ressemblante à une cuillère. Donc cette tarière-là, c'est un modèle que les Romains vont utiliser.
et qui va être utilisé pareil. Donc, juste, on a les dernières, à ma connaissance, les dernières productions en France de cette arrière-là sont première moitié du XXe siècle. Donc, ils vont être utilisés pour percer des trous. Donc, on peut prépercer, mais les autres modèles qui existent de tarières, on a, et ça, c'est des modèles qui vont être très peu développés justement au Moyen-Âge, alors qu'on les retrouve à l'Antiquité, sont des modèles comme celui-ci, qui sont donc à vis hélicoïdales. Et le processus de vis chez les Romains, il est connu, ils s'en servent pas, on n'arrive pas, c'est un peu dur de juger à quel point ils l'exploitaient. Enfin, ils ne l'exploitaient pas comme une vis comme de nos jours, mais voilà, des systèmes de spirale pour percer, c'est quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, ils ont ici donc, ce qu'on appelle un lacet en charpente, une tarière qui est hélicoïdale et qui vient s'affiner. Donc là, la grande différence qu'on a entre ces deux modèles-là, c'est que celui-ci, si je viens percer un trou, par exemple avec ici, mon trou, il sera conique, comme ça. Donc en général, quand on s'en sert, c'est qu'on veut totalement échapper notre pièce de bois et donc le percer de part en part. Contrairement à la tarière qui a les cuillères, qui elle nous permet de faire un trou avec un fond beaucoup plus droit, ce qui va avoir du coup d'autres intérêts. Mais donc là, je vous ai plutôt actuellement parlé d'outils qui sont vraiment adaptés à de la charpente, donc à des plutôt du gros œuvre, des pièces assez conséquentes. Mais bon, c'est à l'époque romaine, on a aussi de l'ameublement très fin. Et donc un des outils qu'on a, donc là il me manque l'autre moitié. Donc ça c'est un premier prototype que j'ai fait il y a quelques semaines qu'il faut que je peaufine. Donc c'est une perceuse à archer. Donc qu'on a, on vient avec un arc, on vient faire deux tours morts et on vient tourner, ce qui va du coup par friction faire tourner notre mèche et permettre de percer notre trou. Et donc ça, une perceuse à archer, c'est un système qui est connu, qui va être utilisé en pierre et en forge pendant très longtemps, surtout la pièce métallique, en serrure et autres. Là, ce qui est intéressant sur ce système-là, qui ça a été retrouvé en fouille, ce système, c'est qu'en fait, on a en général, on a notre mèche, et on vient tenir le haut avec en général, un coquillage, une pierre ou autre chose pour ne pas chauffer la main quand ça tourne en dessous. Et là, c'est un système qui sont assemblés d'une pièce et qui pivotent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'Antiquité. Donc, ce qui fait qu'on a en fait à l'intérieur de ce mécanisme, on a la partie basse hop, qui elle a un petit tenon avec un rivet au-dessus. Et on a en fait la poignée qui elle-même est intégrée au-dessus. Donc qui est refendue en deux. Donc vous allez voir quand je vais, qui va être refendue en deux et qui va être chevillée l'une à l'autre pour se tenir. Et dans lequel après on a évidemment notre mèche qui sort. Et donc c'est vrai que l'avantage de ce système, c'est qu'on a un système, un ensemble complet. Donc on imagine bien que d'un point de vue dans l'atelier, ça a quand même un confort assez phénoménal. Donc là, ce système-là, actuellement, il marche pas encore. Et du coup, là, ce qu'il faut qu'on réessaye avec mes collègues, c'est surtout une histoire de diamètre de perçage qui a l'air d'être beaucoup trop gros encore pour l'instant pour ce système archer. Donc il faut qu'on vienne réduire. Mais vu que les rapports de fouilles que j'ai qui parlent de cet outil ne me donnent pas l'échelle ni les tailles, donc on est commencé par gros et on réduit le diamètre de perçage jusqu'à arriver à quelque chose qui marche. Donc jusque-là, j'ai parlé moi plutôt de mes outils que je préfère, qui sont des outils de taille à proprement parler, donc soit la hache qui va être un outil de lancer à percussion, ou de la tarrière, qui sont des outils basiques. Mais il y a un autre outil qu'on a déjà vaguement parlé, qui est la scie, qui, comme je dis, sur la période médiévale, est beaucoup moins répandue qu'à l'Antiquité. Mais la scie, donc, on peut s'en servir aussi bien pour du sciage de long, comme expliqué ici, mais on peut aussi très bien s'en servir pour tailler des assemblages comme un tenon ou les autres assemblages qui vont exister sur la période romaine, hein, donc du tenon, de la queue d'aron, des mi-bois, il y a énormément d'assemblages qui existent. Mais du coup, l'une des options, ça va être d'utiliser une scie, hein, tout simplement, et de venir couper à la scie, donner un trait de scie, donc ici, puis après, pareil, venir fendre sur le côté, ou avec une autre scie, scier dans l'autre sens. Donc là, les scies, il y a plein de modèles de scie qui ont été retrouvés sur la période romaine. L'un des modèles très répandus, c'est la scie à cadre. Un cadre en bois, assemblé ici en arrière, non, une lame de scie, hop, avec ses petites dents. Et en haut, on a un système de cordes qui vient tourner en tension avec une barre qui vient se mettre en butée sur la barre du bas, de manière à mettre la lame en tension. Et ce qui permet du coup d'avoir une lame assez fine. Et c'est exactement le même principe qu'on a pour la scie hydraulique, c'est-à-dire avec ces lames, nos trois lames, enfin nos quatre lames, qui sont Voilà. justement tendues C'est par ça. La tension en haut. Alors théoriquement, c'était quelque chose qui tournait avec du chanvre, mais nous, on a mis quelque chose de différent pour être sûr, mais c'est toujours ce même principe C'est qui ça. existe depuis l'Antiquité. C'est ça.
Donc lui, il existe depuis l'Antiquité. C'est le système qu'on va retrouver au Moyen-Âge qui va être utilisé, bah, pareil, hein, jusque dans les années 50 et même plus récemment encore dans les ateliers de charpente. Ça marche. Ce qui offre l'avantage de pouvoir en fait avoir une lame très fine, vu qu'elle est sous tension. Ce qui fait qu'une lame, si on a une lame en métal qui n'a pas de cadre, si on pousse dessus, elle aura une tendance à se plier sur elle-même. Et donc on aura une perte d'efficacité ou des limites. Alors que ce système-là, vu que la lame est sous tension, ça permet d'avoir des lames très fines et donc d'avoir des coupes. Plus la lame va être fine quand on coupe du bois, bon, moins on va retirer de matière, plus ça sera donc rapide, moins ça sera fatigant. Et donc c'est un jeu compromis entre ce qu'on veut. Par contre, plus la coupe sera fine, plus on a de chances que la lame se fasse pincer. Parce que du coup, notre pièce de bois, si on vient donner un trait de scie ici, imaginons notre lame fait 1 mm, on vient descendre d'un millimètre, avec une lame qui fait 1 mm, on fait un trait d'un millimètre, si on a le moins de déplacement ou qu'on part un peu en biais, la lame va pincer, il ne pourra plus fonctionner. Et le bois, il a aussi un phénomène quand on coupe, quand on fait du débit, du tronçonnage, le bois, il a un phénomène d'expansion, il s'expanse en longueur légèrement, on le coupe les fibres et du coup, il va se retirer un peu, et donc il va venir pincer la scie. Et donc pour régler ce problème-là, il y a deux options. Soit, si on fait une vue en coupe de la scie, on a une scie qui a une vue, on va dire en exagérant, triangulaire, ce qui fait que l'endroit où elle coupe va être plus fine que le dos de la scie, c'est une solution. Soit on fait ce qu'on s'appelle mettre de la voie, c'est-à-dire que la lame de la scie, on vient tordre une dent d'un côté et tordre une dent de l'autre, voilà, de manière à ce que le trait de scie soit plus large que l'épaisseur de la lame de scie. Donc, pourquoi je vais autant en détail sur ce système-là, et c'est pareil, c'est revenir sur la connaissance qu'avaient les Romains de leurs outils, c'est que le système ici, il est simple, il est efficace, c'est celui qu'on retrouve sur la plupart des scies médiévales. Et alors que quand on revient sur les outils modernes, même une scie circulaire ou n'importe quelle scie moderne, ou une scie à ruban, sera avouée de cette manière-là. Et les Romains, on a des textes qui nous parlent de comment avoyer sa scie et comment régler la voie sur sa scie. Donc c'est un système qu'ils connaissent et qu'ils utilisent et qu'ils exploitent. Et ils sont tout à fait conscients de ce fonctionnement et qu'ils savent déjà très, tout à fait régler. Et donc ce qui explique qu'ils ont, par exemple, le sillage de long pour faire les planches, ce que je disais tout à l'heure, qui, lui, n'est absolument pas développé au Moyen-Âge, de par le prix de l'acier, mais aussi la complexité de l'utilisation de l'outil. Eux, c'est quelque chose qu'ils ont et qu'ils utilisent énormément le sillage. Et donc on pourra revenir dessus pour vous dire ses différents avantages un peu plus tard. Donc il y a la scie à cadre, et on a après des scies plus comme une scie égoïne moderne, qui vont être des scies à onglets, qu'on retrouve avec des petites dents qui sont en général beaucoup plus fines, hop, avec en général du coup, et en général des poignées qui sont dans la longueur, et rivetées sur une soie. Donc ça c'est deux modèles de scie qu'on va retrouver très souvent. Et le autre modèle que je vais dessiner, je ne vais pas le dessiner mais je vais juste l'expliquer, qui est le modèle donc, pour le sillage de long, que j'expliquais tout à l'heure, avec une personne en haut et une personne en dessous, qui est donc c'est ce système plus ou moins de mise en tension. Mais si on a on va quand même dessiner, ce sera plus simple. Mais on a un cadre en bois avec notre lame au milieu. Donc là, la lame qui a les dents qui vient vers vous ou dans le tableau. Et cette lame, elles sont attachées à une bague en haut qui passe. Et qu'on vient régler la tension avec un système de coins, de manière à mettre la lame en tension. Et donc on a la pièce de bois qui elle vient entre les deux bras du cadre pour faire nos planches. Voilà. Donc c'est ces trois systèmes de scie qui sont tout à fait connus par les Romains et fortement exploités. Ça c'est plutôt justement des outils de gros œuvres qui sont assez présents et utilisés. Mais on a des outils un peu plus fins qui eux pour le coup sont en général, moins présent pour les travaux de charpente, mais plus pour tout ce qui va être le petit travail, le travail de huisserie, donc de coffre, d'ameublement, de table, porte ou autre. Donc comme le rabot, donc je n'en ai pas ici avec moi, mais c'est quelque chose pareil. Donc on a le rabot tout en bois, qui est un rabot, c'est un bloc en bois dans lequel on a notre fer. Donc on a, vu de côté, on a un bloc en fer, en bois, avec une lame qui dépasse, est affûté sur le bas avec un coin devant qui vient la mettre et du coup on vient en fait passer et on a du coup en réglant la profondeur de notre lame on va pouvoir retirer des coups plus ou moins fins afin de faire des surfaces très propres où on peut imaginer justement calibrer potentiellement des rampes, voilà, bah, parfaitement des rabots, donc des rabots bois, il y en a plein ici, voilà, qui vont permettre justement de régler la profondeur de coupe et donc de faire par exemple, on peut imaginer un calibrage très précis, pourquoi pas pour des systèmes de glissière qui sont présents par exemple sur une baliste, c'est le genre d'outil qui peut être très pratique. Donc ces rabots bois, par exemple, donc là comme on voit, ça c'est des rabots. Vos grands-parents, vos parents, même les ont sûrement eu dans leurs ateliers ou vu partout. C'est un système qui marche, qui est vieux comme le monde. Et là, bah, tiens, hop, justement ici, là, on a un rabot métallique
plutôt de l'ère industrielle, et ben les Romains, c'est ça qu'ils ont. Pas tous, mais ils ont du rabot métallique. Parce que là, un rabot bois, ben voilà, on en est un autre outil, mais vous le verrez quand je vais vous le faire passer. À force de passer, qu'on s'en sert en le poussant sur les pièces de bois, la semelle de notre rabot ici va s'user et se déformer. Et donc, il faut régulièrement refaire le bâti du rabot ou venir refaire des patchs en dessous une fois qu'il se creuse. Alors qu'un rabot en métal n'aura pas ce souci-là. Et les Romains, dans tout leur luxe d'outils et de démocratisation de métal qu'ils ont par rapport à d'autres périodes, ils ont des rabots avec des semelles en métal, donc sur lesquelles, si c'est... On dessine. Donc on a le même principe qu'un rabot en bois, mais sur lequel on a une bande de métal qui passe en dessous, qui revient comme ça, voilà, et qui va être riftée de chaque côté, de manière à ce que la table du rabot ne se déforme pas à l'utilisation. Donc il y en a un qui a été retrouvé par exemple dans la Somme il y a quelques années, que j'avais pu voir. Moi, mon premier réflexe, c'est un objet de luxe. C'est anecdotique. Il se trouve qu'en fait, on en a quand même retrouvé plusieurs dizaines de rabots de ce style-là à la période romaine. Donc pour qu'on les retrouve, c'est que c'est quand même pas tant que ça un luxe. Certains vont avoir des poignées intégrées et même certains vont être donc semelles métal avec un corps, au lieu d'avoir un bâti en bois, un bâti en ivoire riveté. Donc ça montre bien l'entretien qu'on met aux outils et la fortune d'un artisan romain qui sont sûrement donc plutôt assez qualifiés. Donc justement, dans d'autres outils qu'on peut avoir, donc ici c'est une vastringue, donc c'est plus ou moins le même principe qu'un rabot. On a un fer qu'on vient régler un écartement par rapport à un bâti en bois et qui va nous permettre de retirer un copeau d'une certaine épaisseur. Donc de faire des copeaux très fins si on veut. Et donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, à la base, c'est un bâti que j'ai refait il y a quoi, un an. À la base, il était droit. Et donc là, on peut voir, il y a un creux qui se fait à l'usure à force de friction. Donc ça, pareil, c'est le genre d'outils qui vont pouvoir être très pratiques, par exemple. Donc les Romains, ils font du tour à bois, ça c'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît. Alors on n'a pas retrouvé de tour à bois romain, à proprement parler. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a aucune source certaine d'image de tour romain. On a 2-3 bas-reliefs où on soupçonne que ce sont des tours. Par contre, on retrouve énormément d'objets tournés. Donc en conclusion, on est sûr que le tour à bois est utilisé. Et donc bah, typiquement, une vastringue, pour revenir. Même métal. Oui, même métal. Donc voilà, c'est... Et peut-être à pierre, j'ai le souvenir d'une pierre. Pour tourner de la pierre, j'ai l'impression de voir un pas de vis en pierre chez les Romains sur une colonne. Donc c'est des fous ces Romains, mais vraiment. Donc voilà, on peut imaginer typiquement avec une vastringue venir refaire, et recalibrer ou raffiner des pièces qui peuvent être tournées. Dans les autres points qu'on a, donc là il me reste un seul outil à montrer, donc c'est cet outil-là, c'est un départoir. Donc c'est un outil qui sert à fendre. Donc c'est un outil qui est... on n'en a pas retrouvé en fouille. Moi, j'ai réussi à dégoter en parlant une image d'une tombe d'un artisan romain. Donc il y a à moitié cassé où il y a quelque chose. Pour moi, c'est ça. Et toutes les personnes à qui j'ai montré artisan, j'ai dit, pour vous, qu'est-ce qu'il y a sur cette tombe? Tout le monde m'a dit, c'est un départoir. Donc on est assez dans l'avis que c'est un outil qu'ils avaient. Et surtout, on sait que les Romains faisaient ce qu'on appelle des tavaillons, des bardeaux. Donc c'est-à-dire des tuiles en bois fendues. Et ça, on en a retrouvé dans des bâtiments. On a retrouvé des piles de tavaillons fendus. Donc on peut assez bien s'aimer qu'ils aient un outil similaire. Donc cet outil-là, le principe, c'est qu'on a notre bûche, on vient le poser dessus, et à l'aide d'un maillet en bois, on vient taper et on fend, ce qui va nous permettre justement de faire un débit de bois fendu, au lieu de faire un débit scié, si on veut faire des planches fendues. C'est comme un coin, mais là au coin, il va être assez court, et donc on n'arrivera pas à... C'est plutôt de faire une planche, dans l'idée, si tu veux faire une grande surface plate avec ton coin, vu que tu vas forcer que ici, il y a chances que là, les fibres du bois chassent, et n'est pas une fente propre, alors que là on peut venir recouvrir plus de matière. Voilà.